Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau partenariat. Alors là, il s'agit d'une boutique, le genre de boutique que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est-à-dire que vous avez pour les bijoux, pour la résine, vous avez vraiment énormément de choix. Il s'agit de la boutique Enbid. Donc je vous montre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Voilà. Tout ce qui est perles naturelles, tout ce qui est pour les bijoux, il y a pour les emballages aussi, il y a vraiment énormément de choix. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de tout ce qui est chaîne, fil alu. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a même des perruques, des pinces à cheveux, des bracelets. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, j'aime beaucoup ces boutiques, vous voyez, parce que du coup, ça permet vraiment, si vous êtes comme moi, que vous aimez plusieurs loisirs créatifs, de ne pas vous focaliser sur un loisir créatif. Et du coup, on peut, sur ces boutiques, commander avec une commande sur plusieurs loisirs créatifs. Et j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Je sais pas si vous voyez bien là. Là, il y a même des pour faire les tricots, bon bref, énormément de choix. Donc ils m'ont proposé, si ça m'intéressait, de tester leurs produits. Bien entendu, j'ai accepté. Et vu la période de Noël qui approche, forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des moules en résine. Donc voilà, le colis. Je l'ai juste ouvert pour voir si c'était bien des moules, mais après j'ai compris, alors j'ai pas plus touché. J'ai juste ouvert comme ça. C'est super bien emballé, comme vous pouvez constater. Donc, bien entendu, je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique Enbida, ainsi que le lien des articles qu'ils m'ont gentiment envoyé. Et s'il y a un code promo, je vous le mets aussi en barre d'infos. Voilà. Donc, j'avoue que j'ai été gâtée. Voilà. Franchement, la personne à qui j'ai eu affaire est vraiment très gentille. En plus, j'ai pris un certain temps pour arriver à me décider. Et franchement, elle a été adorable. Je l'en remercie beaucoup. Donc, nous avons un récapitulatif. Donc, vous voyez, j'ai quand même 2, 3, 6 articles, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, on va commencer par ce sachet. Alors, ah oui. Alors, bien sûr, avec les fêtes qui approchent et les décors à faire et tout, j'ai craqué sur un moule fée pour faire des toutes petites fées. Voilà, et il y en a deux. Il y en a deux dedans. Donc c'est les deux mêmes. Ils sont trop choupinous. J'adore. Et franchement, il me tarde trop de voir ce que ça donne. Donc ça, c'est pour faire tout ce qui est décor de Noël ou même des embellissements pour les albums photos ou même des petits bijoux, petits pendentifs en forme de fée. C'est super sympa. Donc ça, je vais essayer de le faire assez rapidement. Ah oui. Ensuite, et je crois que c'est le seul truc pour les bijoux, parce que je compte faire des bijoux, justement, avec les fées et avec notre moule là. Voilà. Du coup, j'ai pris de la chaîne. Voilà. Alors, la chaîne. Je vais peut-être pas l'ouvrir. Comme ça reste rangé. Il y a plusieurs chaînes, bien entendu. Il me semble que celle-là, elle a un acier inoxydable, si je me suis pas trompée. Et elle était vraiment pas chère du tout. Il y a plusieurs mètres, il y en a beaucoup. Ensuite, quoi celui-là? Du coup, je sais plus trop. Ah oui, j'ai craqué. Alors ça, c'est pour les futurs projets thème mer, océan, tout ça. J'ai craqué sur le moule pieuvre. Voilà, donc j'ai trouvé ça très très sympa pour faire, vous savez, tout ce qui est, voilà, plage,
Enfin, voilà, tout ce qui est océan. Et en plus, j'ai un projet de table résine thème océan. Du coup, je me suis dit, c'est super sympa comme ça. Donc, on le testera. Je pense le faire plutôt dans les blancs. Vous savez, un peu comme les sujets en plastique qu'on met dans la résine. Et voilà. Donc, je voulais voir. Il est quand même gros. Je pensais que c'était plus petit. Donc, je suis agréablement surprise. Donc, je sais pas si vous voyez le... Voilà. Donc, à tester. Et du coup, la chaîne, c'est pour aller avec ce petit moule pour faire des petits pendentifs. Je vais y arriver. Donc, voilà. C'est pour faire des petits pendentifs. Donc, en forme de goutte, en forme de rond, en forme de carré. J'ai beaucoup aimé. Futur projet. Je vais essayer de les faire pour Noël, pour le marché de Noël, ce qui va être compliqué puisque bon, ça approche à grands pas et j'ai pas commencé. Mais on va y arriver. Ensuite, j'ai craqué sur ce moule-là et ça fait un moment que je le voulais. Et puis bon, ben là, bon alors c'est vendu par deux. Ouais, c'est vendu par deux. C'est pour faire des petits rangements. Donc voilà, j'ai vraiment aimé. On dirait, vous savez, une patte de chat. Voilà, en gros. Et c'est vendu par deux. Et puis ce qui est vraiment pas cher parce que du coup il y a deux moules, on peut travailler sur deux projets en même temps. Donc c'est cool. Donc on le travaille à l'envers. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Tout sur un bureau, même dans une chambre pour ranger les petits bijoux, quoi. Je trouve ça très sympa. Là, on peut mettre des petites boucles, les bagues, voilà, les bracelets. Puisqu'en fait, ça fait un rond comme ça, puisque ça, c'est le renfort. Mais en fait, voilà. Donc, à tester. Et pour finir, j'ai fait, je sais plus. Ah oui, pour finir, et ça c'est aussi pour Noël, donc là pareil, il y a deux moules. C'est pour faire des bouteilles. Voilà. Pour faire des bouteilles, alors on fait des décors à l'intérieur. Voilà, là c'est pour le bouchon. Voilà, et on peut le poser après. Alors là, ils ne sont pas fournis avec, mais je sais qu'il existe des supports ronds avec une lumière. Donc on pose la lumière dessus et c'est magique. Voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Bien entendu, je l'ai pris. Je vais essayer de faire des décors de Noël. J'ai une petite idée. Donc j'ai pas pu résister, bien entendu. Et on fera ça très vite sur la chaîne. Alors peut-être que vous aurez pas les vidéos de suite parce que j'ai quand même pas mal de projets, mais entre novembre et décembre, de toute façon, vous aurez les tutos. Voilà. Ben encore une fois, j'ai été très gâtée. Je remercie énormément Enbeat de m'avoir envoyé ces merveilles. On va pouvoir s'amuser à faire plein de petits projets pour Noël. Moi, je suis ravie. Donc, merci beaucoup, Enbid. Nous, on va se retrouver très, très vite pour faire ces tutos. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de la boutique Enbid en barre d'infos, ainsi que le lien des articles que j'ai choisis et un code promo, s'il y a un code promo, mais je pense qu'il y en a un. Donc, je vous mets tout ça en barre d'infos. Il vous suffit d'aller voir sous la vidéo en descriptif et vous aurez tous les renseignements. Sur ce, moi, ben, je vous laisse. Je vais aller m'amuser un petit peu avec tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.